retourne chez nous parce qu'il n'y a rien à faire, ben je fais des cheerleaders. Mais à part de ça, ben je me tiens avec mes amis au cinéma, des endroits comme ça, cinéma, arcade. Moi, je m'en vais plus chez moi, puis j'écoute la TV. Comme, il n'y a pas vraiment de place à aller, à part si on veut traîner. Ben, d'habitude, on va à un bar proche de le gars en arrière de toi, là. On va à un bar proche de là, puis comme on niaise, là, on fait des jackasses, on va tout partout. On chante, on met de la musique. Ah, oh, ouais, moi j'aimerais bien ça. Ben, s'il y a des shows live de musique, ben, je pense que c'est quelque chose avec du bon style, au moins, là, comme du rap, pas du métal. Là, ben, tu sais, ça ferait différent. Ça... Ben, d'après moi, c'est tout le monde. C'est ça, puis c'est ton âge. On pourrait se rencontrer n'importe quand, tu sais. Moi, j'aimerais ça. Ouais. C'est vraiment avantageux pour nous. Bonjour, moi je m'appelle Catherine, j'ai 17 ans, puis je fais partie du projet Grandir en ville pour le bistrot Café Utopique. Oui, je fais partie du projet parce que, ben, ça nous a été proposé, puis je trouvais que c'était vraiment une bonne idée de créer un endroit pour les jeunes, par les jeunes. Ça m'implique dans la communauté. J'ai été dans ce projet-là parce que, enfin, ça laisse le droit aux jeunes, puis la possibilité surtout aux jeunes de faire un projet vraiment par eux-mêmes, puis qu'ils soient aidés par la ville ou par d'autres intervenants, mais que ce soit vraiment eux qui prennent les décisions, puis que ben, ça soit à eux que revienne un peu le pouvoir de faire des choses à leur manière et parfois différemment. Il y avait cet endroit-là qui était le bistrot. En fait, c'était pas un bistrot, c'était plutôt une vieille caserne abandonnée. Puis, bon, la ville de Hull savait plus trop quoi faire avec ça. Ça a déjà été aussi un entrepôt. Une idée qui serait rassembleuse pour les jeunes de bâtir un centre communautaire où il y aurait plusieurs services. Il y aurait d'un côté le skatepark et il y aurait aussi un lieu d'animation à l'intérieur. Et puis, les jeunes avaient besoin d'un lieu de rencontre différent, c'est un peu un style bistrot. La seule chose, je pense que c'est ça le travail qu'on a à faire présentement, c'est que nous, on a déjà des activités ici ados d'organiser. C'est de faire le pont entre ces ados-là et les ados qui organisent le café bistrot. Mais la commission jeunesse est un des partenaires de Grandir en ville. Et puis le café bistrot, c'est un petit peu le résultat de l'action recherche du projet de consultation qu'on a entrepris avec la commission jeunesse. Un citoyen, c'est pas quelqu'un qui a 18 ans, c'est pas quelqu'un qui vote, c'est pas un électeur. C'est quelqu'un qui est dans sa ville, qui trouve ça important, qui a des idées, puis qui trouve important de se faire entendre. Donc la commission jeunesse, ça nous permet ça. Ça nous permet de changer l'image un peu que les gens ont des jeunes, puis d'améliorer cette image-là, puis de donner une plus grande place aux jeunes dans la ville. Bien, c'est parce que ça répond à un besoin. C'est un besoin qui vient des jeunes aussi, là. C'est quelque chose qui ont besoin d'un lieu comme ça pour se rassembler. Puis, plus de ça, bien, c'est eux qui vont leur mettre sur pied. Ça va être fantastique. L'objectif aussi, en entour de ça, c'est dans le fond, c'est que les jeunes ils s'approprient le projet. Moi, je les aide, dans le fond, à tout mettre en place, puis je les oriente surtout vers les ressources qu'on retrouve dans la communauté. Donc, on se rencontre ce soir pour discuter du bistrot, pour permettre aux jeunes de rêver leur bistrot puis de parler d'un projet qui n'existe pas encore, mais qui est en développement. Une coop, là, c'est juste que, ben dans le fond, on est chacun un petit peu propriétaire, en un sens, c'est-à-dire que il n'y a pas juste une personne qui est comme, tu sais, au-dessus de nous puis qui décide de tout. Donc, on est un groupe, dans le fond, puis on partage des idées, puis... Avec ce projet-là, on va pouvoir, en même temps, promouvoir des valeurs, comme par rapport à qu'est-ce qu'on va servir dans le café ou les activités qu'ils vont avoir. C'est faire des choses équitables, des choses biologiques, tu sais, juste puis, leur montrer que ça existe, puis peut-être leur fournir des pistes comme de réflexion, puis... les amener à prendre conscience de certaines choses. La décoration de la place. Moi, sérieusement, c'est ça qui me plaît. J'ai vraiment hâte qu'on décore, comme qu'on rentre, là, puis qu'on commence à peinturer les murs comme ça nous tombe, puis à... Non, parce que ça va être la partie de fun. Combien ça coûte votre projet?
à démarrer? Comme combien ça prend sur la table pour que ça parte? Puis combien on a déjà d'argent? Puis où on va aller chercher le reste? Puis comment on va faire pour avoir cet argent-là? Est-ce que ça va être des subventions? Est-ce que ça va être des prêts? Il va falloir qu'on fasse un plan d'affaires. Donc avant, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Donc on a besoin d'un professionnel pour nous aider. Puis ce professionnel-là, il faut qu'on le paie. Donc on a fait une demande de fonds, dans le fond. Je pense que ça va être super bien reçu parce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui ne savent pas sortir. Puis qui trouvent que les places qui leur ressemblent le plus, peut-être, ça serait les bars. Fait que ça se trouve qu'il y a beaucoup de mineurs illégales dans les bars. Le travail d'équipe, sérieusement, c'est un gros travail d'équipe, puis il y en a beaucoup de problèmes, et que ça m'aide à mieux comprendre comment tu fais pour régler un problème, plus écouter les autres. Je m'appelle Xavier Deschênes-Filion, j'ai 15 ans, je suis auteur, compositeur et guitariste du groupe Projet Désaccordé. Nous, on est en train d'enregistrer un CD, on joue ensemble depuis un an et demi, mais le problème souvent, c'est qu'on manque d'endroits pour faire des spectacles. Et on croit que le Café Bistrot Utopique serait un endroit vraiment génial où jouer. Et puis la musique est vraiment importante et il y a une place importante chez les jeunes. Les jeunes ont une énergie qui est vive, une énergie qui est très importante. Il faut tout de même leur donner la place. Si on leur offre la place et la possibilité de s'impliquer dans le développement économique communautaire, ils vont faire des projets qui sont très innovants. Ils ont de l'imagination, ils ont de l'énergie. Fait que moi, je crois beaucoup en cette énergie-là et avec le projet du Café Bistro Utopique, on leur donne la chance de s'exprimer et de montrer au reste de la communauté qu'ils sont capables de faire des beaux projets. Nous les jeunes, on lâche jamais.